Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je revenu. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes good people. Bonsoir. J'ai fait quelques manipulations, j'espère que ça va mieux. Yves Roland, JJ, mon fils, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? D'accord, ok, super. Isabelle Dos Santos, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir tout le monde. Batoua Tali, bonsoir. Ok, merci mon fils. Chanta, ok, Abby, d'accord, j'ai remanipulé. D'accord. Bonsoir, mettez des cœurs, partagez. La chanson est de John Kiffy, elle s'appelle Goulou Ménois. Goulou Ménois, c'est Goulou, c'est la terre, le ventre de la terre. Et Rachou la Blanche, bonsoir. Bala Kone, bonsoir. Amen. Jacqueline Breka. Abdoulaye de Metola Fofana. Oh, bonsoir, tu es là. Et donc, Goulou, c'est la terre, c'est le ventre de la terre. Ménois, ce sont ceux qui partent. Et donc, ils chantent Goulou Ménois, ceux qui partent, et ils disent qu'ils ne reviennent plus. On ne les reverra plus. Ils nous quittent définitivement. Sir Grace Siloué, bonsoir depuis Korogo. Léa Angouma, Axin Axin. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mettez des cœurs et partagez. Jean-François Nchaud. Voilà, ok, merci. J'ai dû, j'ai remanipulé. Abdoulaye de Metola Fofana, merci beaucoup. Oui. C'est mon cœur, c'est son cœur. Donc voilà, c'est vrai que la chanson est triste, mais Adèle Gaffa, bonsoir, style Dan, en ce niveau, d'accord. Merci Olivier, bonsoir tout le monde. Nous avons repris, je préférerais reprendre pour que nous soyons ensemble, que nous puissions. Merci, Nadré, Pucherie, Désiré, Annie, Batoua, Tali. C'est une chanson qui est triste, c'est vrai, mais c'est une chanson aussi qui dit les choses. Mais, oui, mettez les cœurs et partagez. Partagez, partagez, partagez. Viviane Azo, bonsoir. Partagez. C'est John Yale. C'est avec lui que nous commençons. C'est lui qui nous chante, Général Fouadi. C'est lui qui nous parle de la mort, de la définitivité de la mort, du fait que ceux qui nous quittent, nous ne les revoyons plus quand ils rentrent dans la mort, quand ils rentrent dans le ventre de la terre, quand on les enterre, c'est fini. Voilà, Quadio, Paul Newman. Oui, je comprends. Quadio, Paul Newman, je comprends. Hélène. Oui, bonsoir, Mithy. La fortune, nickel. Mettez les cœurs. Urbain Bouy, le maximum de cœurs. Merci. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes là toutes les semaines. Vous êtes là tout le temps. Vous êtes là pour ce direct, pour ce format que vous aimez bien, vous accompagner les sujets. Et ce soir, vraiment avec cette chanson du grand artiste John Yale, je voulais vraiment que vous vous joigniez à moi pour dire toutes nos condoléances au président Gbagbo qui est une fois de plus frappé par la mort d'une de ses sœurs, Tanti Koudou Henriette, épouse Gaillé, qui est partie cette semaine et qui ne reverra plus, mais en plus il sera même pas là pour faire ses obsèques, et ça c'est terrible. Donc joignez-vous à moi pour le
pour lui donner, pour lui envoyer plein de prières, plein de bonnes vibrations, plein de bonnes pensées. Voilà. Et je crois qu'il va, il en a besoin en ce moment. Merci Olivier. C'est pour ça qu'on pleure. C'est pour ça qu'on pleure tellement. C'est pour ça que notre cœur se déchire. Parce qu'ils sont partis et nous ne nous reverrons plus. Oui. Oui, John Yale. John Yale. John Yale, que je salue. Si, voilà, je le salue. Donc, voilà, je voulais, après le président de la République, je voulais aussi que vous joigniez toujours à moi pour saluer la mémoire de tous ces morts à Dabou en ce moment, ce qui se passe. C'est atroce et nous voulons prier que la sagesse habite les hommes, mais surtout que Dieu intervienne pour apaiser, vraiment. Donc, il y a ça. Il y a vraiment, il faut prier beaucoup, il faut avoir de bonnes pensées, de bonnes vibrations pour Dabou, mais avant ça, pour Benoît, pour tous ces gens qui tombent et qui sont en général des jeunes. Donc, il faut vraiment, il faut prier. Et puis, aujourd'hui, nous avons aussi appris le décès du ministre ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation, monsieur le ministre Sidiki Diakité, qui est décédé, mais de façon vraiment subite. On parle de crise cardiaque. Nous voulons aussi saluer sa mémoire et dire nos condoléances à sa famille, à son épouse, ses enfants. Vraiment, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette chanson de John Yale qui nous met face à nous-mêmes, qui nous met face à nos vacuités, qui nous met face à nous sommes tellement peu de choses. Et voilà, je voulais vraiment... Christiane Maé, bonsoir. Laure Toler, bonsoir. Amenity, La Fortune, nickel, bonsoir. Pensez nos plaies, oui, c'est vrai, Amenity. Amity, pensez nos plaies, guérir nos douleurs, c'est important. La semaine dernière, ce direct a été très attaqué. Une attaque massive, une attaque que je ne comprenais pas, que je ne comprends toujours pas, parce que comment on peut s'attaquer à la culture? Nous parlons de culture. La culture, c'est l'âme de la société. C'est elle qui nous définit, c'est elle qui fixe notre identité. Bénédiction Léry, bonsoir. Daniel Willeris, bonsoir. Yvette Lawson-Elou, il y a longtemps, bonsoir. Marika Tapé, bonsoir. Majara Diawagate, bonsoir. Olivier Nyawa, bonsoir. Je voulais vraiment que nous prenions une minute de silence pour tous nos disparus avant de continuer. Merci Olivier. Donc, je vais m'arrêter et puis on va compter la minute de silence. S'il vous plaît, chez vous, faites pareil et priez. Merci beaucoup. Merci d'avoir observé cette minute de silence. Voilà. Donc, je disais que la semaine dernière, le direct a été attaqué. Je n'ai pas compris. Parce que nous parlons de culture. Et la culture, c'est vraiment... Merci, Nicole Tegalo. Il faut prier beaucoup. Voilà. Mohamed Abbas Waigalo, bonsoir. Et la culture, c'est l'âme de notre société. C'est elle vraiment qui nous fait, c'est elle qui nous distingue, c'est elle qui nous identifie, c'est elle qui fait que nous sommes nous. Voilà. Et le but des vendredis de la culture, je l'ai dit, mais je le répète, c'est d'échanger, c'est de partager avec vous tout ce qui concerne, tout ce qui est autour de la culture, des arts, et c'est de faire connaître la culture, c'est de comprendre. Par exemple, là, on est sur une série du cinéma. Après ça, je pense que quand vous n'allez pas voir
un film de la même manière, avec le même regard. Vous aurez les éléments, vous aurez les outils pour comprendre un film. Et c'est juste ça, le but des Vendredis de la culture. Et aussi, vous amener à consommer les œuvres artistiques d'une autre façon, avec un autre regard, en sachant ce que vous consommez, en sachant pourquoi vous le consommez. C'est juste ça, le but de la culture, nous mettre dans des situations où nous apprenons à nous connaître, où nous réapprenons à connaître qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, quelle société nous voulons bâtir, parce qu'on bâtit une société avec la culture, avec sa culture. Toutes les grandes sociétés se sont bâties et continuent d'exister par leur culture. Vous pouvez prendre n'importe quel pays développé ou ce qu'on appelle grand pays, c'est comme ça. Voilà, Christiane Maé, bonsoir. Merci beaucoup pour la minute de silence. Et le cinéma, c'est vraiment, le cinéma se fait, c'est une chaîne, le cinéma. C'est une chaîne dont chaque maillon est important. Et donc, la semaine dernière, ça fait la troisième semaine qu'on parle du cinéma, des métiers du cinéma. La semaine dernière, je vous ai parlé du chef de décorateur. Il y a plusieurs postes dans le cinéma et chaque poste est important. Chaque technicien est important. Je vous ai parlé de l'ensemblier, du régisseur extérieur, de l'accessoiriste, de la chef costumière, de l'habilleuse, de la chef coiffeuse, de la musique de film. Et je vous ai dit que la musique n'est pas un élément à part. Plaqué sur un film, c'est un acteur. La musique est partie prenante du film. Je vous ai ensuite parlé du montage, le monteur image, le monteur son, et je vous ai dit que pour qu'un film soit déclaré fini, terminé, prêt, Gina Sacré, bonsoir. Pour qu'un film soit, Pulcheri Yoro, bonsoir. Coucou. Pour qu'un film soit déclaré fini, terminé, eh bien, aux États-Unis, c'est le producteur qui a le final cut. Le final cut, c'est littéralement la coupe finale, c'est-à-dire le coup de coupe finale. C'est un film se monte en coupant des images, en collant et tout ça. Donc, Madjara Diamarate, oh, bonsoir, bonsoir. Ah, vous êtes la tante de Adja qui a travaillé chez ma maman. Oh là là, bonsoir, merci beaucoup. Et donc, le final cut, C'est ça qui met fin au montage. C'est là où on dit c'est fini, on a terminé, le film est prêt, c'est ça. Et aux États-Unis, c'est le producteur qui a ce pouvoir-là. C'est celui qui a le final cut. En France, par exemple, c'est le réalisateur parce qu'en France et en Europe en général, c'est un cinéma d'auteur. Alors qu'aux États-Unis, c'est un cinéma, on va dire, un peu plus commercial, un peu plus... c'est pour le producteur, c'est lui qui décide. Voilà. Je vous avais aussi parlé des acteurs, des rôles principaux, des rôles secondaires. Et ensuite, je vous ai parlé des figurants, des silhouettes. Je vous ai dit dans les silhouettes, il y a la silhouette parlante. Elle a cinq mots. C'est celle qui dit pas plus de cinq mots. Si elle dit plus de cinq mots, ce n'est plus une silhouette. On lui fait un contrat d'acteur. Voilà, je vous ai dit ça. Balo Fadouma, bonsoir. Bernadette Nzue, Bénédiction Léry, bonsoir. Et j'ai plaisir à échanger avec vous parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Vous verrez, des gens m'ont joint pour parler de cinéma. Je vous ai ensuite parlé de la silhouette ou la double lumière, cadrage, texte. C'est l'acteur, enfin celui qu'on met, celui qui on fait le réglage de la caméra, de la lumière, du cadre de la caméra. Pendant ce temps, l'acteur, il se repose parce qu'il ne faut pas l'épuiser. Sybil Mamie, merci beaucoup. Partagez vraiment partout, partagez. Souleymane Koné, bonsoir. Merci beaucoup, Souleymane Koné. Et donc, je vous ai aussi parlé de la silhouette qui est une double image, le cascadeur. Je vais y venir parce que quelqu'un m'a posé la question sur ce qu'est un cascadeur et j'en parlerai. Ensuite, je vous ai parlé de la silhouette muette ou la double montage. Voilà. Et donc, après ça, je suis arrivée sur les caméos, ce qui était un caméo. J'ai parlé de caméos d'acteurs, caméos de réalisateurs. Et c'est en arrivant sur les caméos d'auteurs que, paf, le direct a été attaqué. Voilà.
Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais vous parler d'autres métiers du cinéma. Mais d'abord, je vous ai dit que deux personnes, enfin des personnes m'ont joint pour poser des questions. Et je voulais répondre à ces questions-là parce qu'elles nous intéressent tous, hein. Alors, Monsieur Roger Ben Liali, il dit que lui, il a fait des études de médias et que là-bas, on leur demandait de dessiner leur scénario, le scénario avant de tourner. Et je lui ai dit, je l'ai joint inbox, mais je veux que tout le monde en profite. C'est vrai, ça s'appelle le storyboard. Le storyboard, c'est le scénar image. C'est le scénario en image. C'est-à-dire que Florentin, mon fils, décris sa beau, comment ça va? Effry Rodin Alani, Saïd Morocco Traoré, bonsoir. Je suis contente, hein? Il y a beaucoup de gens qui viennent de plus en plus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, invitez des gens. Et donc, le storyboard, littéralement, c'est l'histoire en tableau, c'est le tableau de l'histoire, si je veux traduire littéralement. C'est-à-dire que le scénario qui est écrit, et quand on a fini de faire le découpage technique, je vous ai dit aussi que le découpage technique, c'est ça qui nous dit, par exemple, par où le film commence. Madiara Diabaté, c'est très gentil, merci beaucoup. Par où on commence? On dit, parce qu'un film, on le tourne pas forcément à l'endroit, on peut tourner à l'envers. On peut commencer par, merci Saïd, on peut commencer par les images de fin. Quand vous voyez un film, la fin du film, peut-être c'est par là qu'on a commencé à tourner. Donc, c'est le storyboard, on met en image, on dessine le scénario. Comme ça, il sert à savoir où on place la caméra on le dessine plan par plan. Donc on sait où la caméra sera, où l'acteur sera, où voilà, où quel décor sera là. Et quand tu as le storyboard, tu as le film. Mais ça, c'est vraiment sur de grosses productions américaines qui ont beaucoup beaucoup de moyens. Et donc eux, ils peuvent se permettre de prendre un storyboarder, c'est celui qui dessine donc le storyboard. Donc le storyboard, c'est le scénario dessiné plan par plan sur papier ou sur fichier numérique au cinéma ou pour un téléfilm. Et ça se fait pendant la pré-production. Pendant la pré-production. Merci Suleiman Cheikh. Dénéné Stéphane, bonsoir, merci. Chocolat suisse, merci. L'enfant de Soro Guillaume. Hein? Tu t'appelles l'enfant de Soro Guillaume, d'accord. Bonsoir. Et donc, le storyboard, c'est ça. C'est le scénario dessiné plan par plan, ce qui permet au moment du tournage de savoir, on regarde, ah, la caméra se place là parce qu'elle est déjà, on l'a déjà placée. L'acteur se place là. C'est ça le storyboard. Mais ça, on le fait sur de très grosses productions, par exemple américaines. Ça se fait parce que ça, c'est le cinéma, ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà comment il se présente le storyboard. Ça se présente comme ça. Voilà, on dessine le scénario plan par plan. On sait où les acteurs se placent. On sait où la caméra est placée. On sait où la lumière sera. On sait tout ça. Donc après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà un autre storyboard. Il est comme ça. Plan par plan, le scénario. Plan par plan. Parce que le scénario s'écrit en séquence et en plan. Il ne s'écrit pas comme un roman. Donc, plan par plan, on dessine. Et on sait pour ce plan-là où on va poser la caméra. Si elle est de face. Si elle est gros plan. Si elle est plan moyen. Si elle est plan large. Si elle est en plongée. Ou si elle est en contre-plongée, tout ça, la caméra, tout ça est dessiné. Voilà, c'est ça. Alors, pour planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film, aussi bien au niveau technique, c'est-à-dire les cadrages, le mouvement des caméras, les effets spéciaux, qu'au niveau artistique, c'est-à-dire comment on met les décors, comment les décors sont soit physiques ou virtuels. Je vous ai dit la semaine dernière que quand vous regardez la série Desperate Housewives, je sais pas, très bonne série qui marche beaucoup. Vous savez que toutes les maisons que vous voyez dans la rue s'appelle Wisteria Lane dans le film, et tous les habitants sont là, et les femmes, elles se fréquentent et tout, mais enfin, toute cette rue-là, les maisons qui sont là, le décor, les poubelles, le jardin, tout ça, c'est du carton.
c'est pas du vrai. C'est pas... Si, il y a des logiciels pour ça, Effie Rodin, il y a des logiciels pour ça, il n'y a pas de problème, le storyboard. Mais l'idéal, c'est vraiment d'apprendre avec un storyboarder. Mais tu peux commencer avec un logiciel. Ça, c'est clair. Tu peux déjà te former toi-même, apprendre les rudiments, mais un vrai storyboarder, il sera encore mieux. Alors, la mise en page du storyboard ressemble à celle d'une bande dessinée. Vous voyez ce que je vous ai présenté? Une bande dessinée dont chaque vignette représente un plan qui est décrit parfois en plusieurs dessins. Et l'ordre proposé dans le storyboard, eh bien, c'est l'ordre du montage. Le monteur, il va suivre ça. Il va suivre ça pour monter. Alors, d'une part, cette présentation permet d'évaluer avant le tournage la lisibilité du récit. On peut savoir tout de suite si ce qu'on a écrit dans le scénario, est-ce que cette scène-là, est-ce qu'elle va fonctionner? On peut le savoir tout de suite. Et d'autre part, elle améliore la circulation des informations entre les membres des équipes de préparation, dont les décors, les accessoires, les costumes et celles du tournage. Donc, le storyboard constitue un outil de référence, mais il faut vraiment que ce soit, c'est sur de grosses productions que ça se fait. Merci Isabelle Dos Santos. Alors, je ne sais pas, Roger Ben Liali, si tu es là, je pense que j'ai répondu à ta question. Et puis, la deuxième question, c'était, elle venait de Mohamed Tanem Belkadem. Lui m'a demandé, qu'est-ce qu'un cascadeur? Edwige Kobli, merci. Ah non, 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 Effie Rodin, non, non, je n'ai pas de structure de formation. Je ne suis pas à Abidjan, mais ça se fera certainement, même avec d'autres personnes, pas forcément avec moi. Alors, mais il n'y a pas d'école de cinéma en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave. On peut organiser des ateliers, on peut faire des masterclass. Tu peux faire une masterclass qui dure une semaine, 2 semaines, 1 mois, où tu réunis des gens et puis tu fais une formation accélérée. Ça, c'est possible. Donc, c'est quelque chose que on doit pouvoir envisager en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, il y a une école de cinéma. Hein? Voilà, mais on peut envisager cela. Il n'y a pas de problème. Alors, Mohamed Tanem Belkadem, lui, m'a demandé... Qu'est-ce qu'un cascadeur? Parce que j'ai parlé des silhouettes et j'ai parlé des silhouettes cascadeurs. Alors, un cascadeur, lui, il est chargé de réaliser toutes les actions risquées lors d'un tournage. Il peut être aussi une doublure cascade lorsqu'il remplace un acteur pour le tournage d'une scène comportant un risque de blessure. Parce que l'acteur, il est assuré. L'acteur, il ne... Aïe, j'ai vieilli, mais tout le monde vieillit, chérie. Donc l'acteur, il ne doit pas, on le protège, on le protège. Donc c'est lui qui porte le film. Donc il faut pas qu'une scène de cascade le blesse, les assurances, c'est trop compliqué. Je vous ai dit que le cinéma, c'est lui qui a créé le star system. Donc c'est très très compliqué. Alors on prend un cascadeur. Et en général, un cascadeur, c'est quelqu'un qui était athlète avant ou qui a été un pilote. Et donc, qui est spécialiste des scènes d'action. Une cascade nécessite vraiment une préparation minutieuse pour réaliser l'action tout en assurant la sécurité du cascadeur et des équipes. Il y a eu, dans le passé, il y a eu des accidents, il y en a encore. Voilà. Et le cascadeur, il est un intermittent du spectacle. Il travaille pour le cinéma, la télévision, les spectacles ou les parcs de loisirs. J'ai quelques images de cascades que je vais vous montrer. Ici, vous avez le film. Ici, attendez, je vous montre ça. Voilà, ce film-là. Si vous connaissez le film qui s'appelle Le Transporteur, Le Transporteur, Le Transporteur, il y a cette cascade-là, de deux voitures qui sont... Ouh là là, on ne sait même pas comment ça se... Mais il y a des cascadeurs qui font ce travail-là. D'accord? Et puis, vous avez par exemple, ici aussi, vous avez en France, par exemple, Jean-Paul Belmondo, l'acteur Jean-Paul Belmondo, il a toujours assuré ses cascades lui-même. Il ne veut pas, il n'a jamais voulu qu'un cascadeur puisse venir faire les cascades lui-même à sa place. Donc, il les assurait lui-même. Ici, par exemple, on le voit dans un film qui s'appelle Peur sur la ville. Il assure la cascade. Il est au-dessus de Paris, là.
Il est au-dessus de Paris, il est tenu seulement par un fil. Il est retenu seulement par un fil et à un hélico et on fait la, 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 la il fait tout Paris comme ça, la scène, il a fait toute cette scène-là. Il y a aussi voilà, je vous présente aussi un autre acteur. Ici, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, il assure aussi toutes ces cascades lui-même. Lui-même, ici, c'est une scène de moto, de feu, et c'est très dangereux. Mais Tom Cruise, il assure toujours. Ça, c'est dans Mission Impossible. Une autre scène de Mission Impossible où il a assuré lui-même la cascade. Regardez-moi cette prouesse. Regardez-moi ça. Comment la moto se retrouve si en haut avec un Tom Cruise? Regardez-moi ça. Regardez ça. Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Comment tu t'appelais déjà? Mohamed, c'est ça le rôle du cascadeur. C'est ça le cascadeur, c'est ça les cascades. Et donc, je voulais dire ça. Mais il y a plusieurs types de cascades. Il y a trois types principaux de cascades. Les trois disciplines principales pour des cascades sont la cascade physique. Donc, la chute d'escalier ou le combat quand les gens se battent ou quelqu'un qui brûle. Vous avez quelqu'un tout à coup qui brûle, qui a, c'est une torche humaine. Il brûle, il sort d'un immeuble, il est en feu. C'est une cascade, c'est un cascadeur qui fait ça, c'est pas l'acteur. Et puis, on a la cascade mécanique. La cascade mécanique, c'est les tonneaux de voiture, les dérapages de moto, les accidents de voiture, les sauts en jet ski. Ça, Pap Mbaye Sène. Merci beaucoup. Pap Mbaye Sène. Merci beaucoup. Attendez, cette personne-là n'a rien à faire ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est. Donc la cascade mécanique, c'est ça. Et puis il y a la cascade équestre, c'est ceux qui font par exemple les chutes de cheval, quelqu'un qui a cheval, et puis tout à coup il chute. C'est un cascadeur qui a fait ça, c'est une cascade aussi dans le film. Dans le film, voilà. Donc voilà, on va faire une petite pause. Je vous propose une petite pause. On reste dans notre ton, on reste dans notre. On continue avec John Yale qui nous chante ici. Il nous chante tôt, tôt c'est la guerre. Il faut éviter la guerre. Il faut éviter vraiment tout ce qui est guerre, c'est pas bon. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Ouais, yes. Pape Sène, bonsoir. Pape est là sur le direct. Pape, c'est mon mentor. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui m'a tout appris dans la production. Et Pape, il faut laisser les gens. Les gens, ils sont dans autre chose. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. John Yale nous dit que la guerre n'est pas bien. Il a chanté il y a longtemps. La guerre en Éthiopie, au Libéria, partout, tout était loin de nous. Et c'est ça qu'il chante. Emmanuel Wanyu, bonsoir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Sinon, on risque d'être attaqué. Moi, maintenant, je me méfie. On risque d'être attaqué. Il faut partager. Je suis Mila. Bonsoir. Yeah! Il faut éviter la guerre. Est-ce que tu n'entends pas les coups de fusil? Les coups de fusil en Éthiopie. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Évitons ça à notre pays. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ange Zoku, bonsoir. Yeah. John Yale qui nous chante ça. Tôt,
C'est-à-dire la guerre. Tout. Oui. Mon calaway. De go, Flor, de go. La guitare. John Yale, il est fort. Je l'adore. Moi, j'aime la musique. J'aime les beaux gars. Donc, nous pouvons nous éviter ça. Il faut écouter les artistes. C'est ça le rôle des artistes. Ils interpellent, ils conscientisent, ils pointent du doigt l'état de la société. Et encore faut-il qu'ils soient entendus, qu'ils soient écoutés. John Yale, tout. Ouais. Il faut vraiment que nous fassions très attention. Partagez, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que tu n'entends pas? Tu n'entends pas les fusils crépiter? Il faut faire attention. Ouais, faut éviter. Il y a toujours une solution. Il y a toujours la possibilité de se parler. Il y a toujours la possibilité de se mettre d'accord. Nous devons être meilleurs. Nous devons être meilleurs pour notre pays. Il faut éviter ce qui est arrivé ailleurs. Nous pouvons l'éviter. Voilà, c'était donc John Yale. Et nous continuons. Alors, je vous ai dit que la dernière fois, on a parlé du caméo. Je vous ai dit que le caméo, c'est une apparition fugace, rapide, d'un acteur connu, d'une actrice connue, du réalisateur ou d'une personnalité célèbre, par exemple un écrivain ou un sportif. C'est un clin d'œil qui n'influe pas sur le cours de l'histoire, mais qui ajoute un plus à l'histoire. C'est un ingrédient qui ajoute. Je vous ai parlé des caméos d'acteurs, des caméos de réalisateurs, et nous étions arrivés aux caméos d'auteurs. Et je vous ai parlé de l'éponymie. L'éponymie, c'est le fait de donner son nom à quelque chose. Et je vous ai parlé de l'exemple de Eugène Poubelle, qui a donné son nom aux poubelles en France parce qu'il avait mis en place ce dispositif pour ramasser les ordures. Donc, comme celui qu'il avait créé, eh bien, ça s'appelait EGS, ça s'appelait poubelle. C'est comme Eiffel, la tour Eiffel, eh bien, c'est la famille Eiffel. Voilà, donc l'éponymie, c'est le fait de donner son nom à quelque chose. Alors, quand un film est adapté d'un roman, on parle de roman éponyme, c'est-à-dire que le roman est sorti. C'est le roman qui a donné son nom au film. Donc, c'est un roman éponyme. Dans Un Thé au Sahara, qui est un film de Bernardo Bertolucci, Paul Bowles, qui est l'auteur du roman éponyme, Un Thé au Sahara, donc qui a donné son nom au film, eh bien, cet auteur, on le voit en caméo. Il fait un caméo, c'est-à-dire qu'on le voit rapidement assis à une table dans la scène du café au début du film, pour ceux qui ont vu le film, qui vont le revoir. Et je vous conseille de revoir tous ces films, de faire votre filmographie, pas bibliographie, mais filmothèque. Voilà, une filmothèque. Vous achetez des DVD de grands films. Il faut les avoir, c'est des grands classiques. Il y a des films cultes qu'il faut avoir. Je peux vous faire proposer une sélection, si vous voulez, une autre fois, si vous êtes d'accord. Voilà, dans l'autre film Ne le dis à personne, c'est un film de Guillaume Canet et qui est inspiré du roman éponyme Ne le dis à personne de Harlan Coben. J'ai lu ce roman, ce bouquin, et Harlan Coben lui-même, il fait une apparition en tant que caméo dans la scène de la gare. Donc c'est ça, être un roman, un film éponyme, c'est ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler parce qu'on a encore un peu de temps. Oui, bon, je suis dans les temps. On n'a pas encore fait une heure. Hein. Même en ayant repris, on n'a pas encore fait une heure. Donc, je vais vous parler d'un phénomène qui existe. Ce sont les assurances des acteurs, les assurances corporelles des artistes d'une manière générale. Mais c'est parti des acteurs.
L'assurance ne se limite pas à assurer sa voiture, sa moto, sa maison, je ne sais pas moi. Certaines célébrités assurent une partie ou tout leur corps, une partie de leur corps ou tout leur corps. Oui. Alors, par exemple, là, si vous connaissez l'acteur Daniel Craig, qui fait, il est Monsieur James Bond, il a assuré tout son corps pour un montant de 8 millions, 8,7, 8 millions 700 000 euros. 8 millions 700 000 euros, tout son corps. Ça veut dire quoi? Si quelque chose lui arrive, l'assurance va payer ça. Va lui payer ça. Comme ça, voilà, il vit tranquille, il mène sa vie. Voilà, c'est ça. Donc, Daniel Craig, il a assuré son corps. On va aller chez Julia Roberts. Julia Roberts, où je vous ai dit que Julia Roberts, elle a les jambes, c'est-à-dire de la hanche jusqu'à la cheville, ses jambes font 1,10 m. Ça, c'est la taille de quelqu'un. Hein? Ça, c'est la longueur de ses jambes. Quand elle a fait Pretty Woman pour la protéger, pour la scène du début où on voit les jambes, eh bien, la production a fait appel à une mannequin, Michelle Shelley, qui a aussi de belles jambes, parce qu'on voulait que Julia Roberts, on protège ses jambes, qu'elle se repose et tout ça. Là, je vous ai dit que les acteurs, c'est eux, les acteurs, c'est eux la vitrine du film. Donc, on les protège vraiment au maximum. Mais Julia Roberts, elle a assuré quelque chose qu'elle a et qui est extraordinaire, c'est son sourire. Moi, je veux vous présenter ces images-là. Je vous ai parlé de Daniel Craig. Eh bien, voici Daniel Craig. C'est lui, Monsieur James Bond. Monsieur James Bond, le dernier James Bond, celui qui joue actuellement les Bonds, c'est lui. Et il a assuré tout son corps pour 8 700 000 euros. Alors, Julia Roberts, elle a un des sourires les plus magnifiques au monde. Là, voilà. Voilà Julia Roberts. Alors, elle a assuré son sourire. Son sourire est assuré pour 30 millions d'euros. C'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose, si son sourire change, elle perd ses dents, elle a un accident, elle est défigurée, sa lèvre, en tout cas, l'assurance va lui verser 30 millions d'euros. Faites la conversion parce que c'est trop. Voilà. Et puis, il y a aussi l'actrice Jennifer Love Hewitt qui a assuré pour 8 millions d'euros, mais à côté des 30 millions d'euros pour le sourire de Julia Roberts, bon, c'est raisonnable. Julia Roberts, on peut lui couper un bras, on peut tout ça, mais son sourire, on ne touche pas. C'est 30 millions d'euros. Et puis, il y a des artistes qui assurent leur voix. Dans la chanson, par exemple, Céline Dion, sa voix est assurée pour 1 million d'euros. Elle n'a pas assuré pour beaucoup. 1 million d'euros, mais elle a déjà beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a le chanteur Bruce Springsteen qui a assuré sa voix pour 8 millions d'euros. Ça, les acteurs ont commencé, mais tous les artistes, la musique, tout ça, ils s'y sont mis aussi parce que c'est important. Parce que l'artiste, son corps, sa voix, ou s'il est acteur, ou s'il est chanteur, sa voix, c'est son instrument de travail. Donc, si le père, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il vive. Donc, il est assuré, il assure son instrument de travail. La poitrine, il y en a qui assurent la poitrine. Par exemple, Madonna, elle a assuré sa poitrine pour 2 millions d'euros. Voilà. Donc, si quelque chose arrive à sa poitrine, eh bien, elle est assurée. Et puis, il y a ceux qui assurent les jambes. Et ça a commencé il y a longtemps. Le premier à assurer ses jambes, c'était le danseur et acteur Fred Astaire. C'était en 1949. Il avait assuré ses jambes pour 138 000 euros. Ça, c'était une fortune pour l'époque. Pour 1949, c'était une fortune. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien on aurait pu chiffrer ça, mais il avait assuré ses jambes. Et cet acteur, c'est lui, si vous vous souvenez, qui joue dans Chantons sous la pluie, Dansons sous la pluie, Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. C'est lui qui joue. C'est un classique du cinéma mondial. Et il faut aussi avoir ça dans votre filmothèque si vous êtes un cinéphile. Et puis, toujours dans les jambes, on a Jamie Lee Curtis.
C'est la fille de l'acteur Tony Curtis qui a assuré ses jambes pour 2,8 millions d'euros. Et on a marié Tina Turner. Tina Turner, on dit qu'elle a les plus belles jambes du monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elle a assuré ses jambes pour 3,2 millions d'euros. Tout ça, ce sont des artistes. Et puis, on a Mariah Carey. Mariah Carey, elle chante et elle a assuré sa voix et ses jambes pour 70 millions d'euros s'il lui arrive quelque chose. Mais les jambes, on trouve aussi dans le football. Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais du Real de Madrid, il a assuré ses jambes pour 50 millions d'euros. Il a fait comme les artistes, comme les acteurs, comme les chanteurs. C'est-à-dire que si quelque chose lui arrive, voilà, il a 50 millions d'euros, mais il a déjà beaucoup plus que ça. Mais c'est une assurance. Et on a les artistes qui assurent leurs fesses. Par exemple, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Voilà, j'avais vu Mariah Carey. Voilà, Mariah Carey, c'est celle-là, qui a assuré sa voix et ses jambes pour 70 millions d'euros. C'est elle. Si quelque chose arrive à ces deux parties de son corps, sa voix ou ses jambes. Et les fesses, on a Jennifer Lopez, J-Lo, on l'appelle. Elle a assuré ses fesses pour 27 millions d'euros. Voici ses fesses. Elle les a assurées pour 27 millions d'euros. C'est-à-dire que si quelque chose arrive à son postérieur, l'assurance lui verse 27 millions d'euros si elle ne peut plus travailler et tout. Bon, donc c'est son assurance. Et on a Janet Jackson, une des sœurs de Michael Jackson, qui a assuré ses fesses à 46 millions d'euros tout de même, hein. Et puis, il y a la star de télé-réalité Kim Kardashian qui a assuré ses fesses, son postérieur, pour 20 millions d'euros. Et on a un guitariste, Jeff Beck. Il était chez lui comme ça et puis il faisait la cuisine. Et il s'est sectionné un doigt avec son couteau de cuisine en 2010. Quand il est sorti de là, il dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Moi, je vais aller assurer mes doigts. Il a assuré ses 10 doigts parce qu'il est guitariste, un grand guitariste. Il a assuré ses 10 doigts pour 8,8 millions d'euros. Voilà comment les artistes. Ils vivent leur vie d'artiste, voilà. Oui, il y a des cordes c'est une petite corde, voilà, c'est une petite corde, hein. Style Grey Silhouette, c'est une petite corde, voilà, qui tient. Les cascadeurs, oui, bien sûr, ils doivent quand même se tenir, ça c'est clair. Et donc, voilà, je vais vous proposer encore un chant, une chanson que j'ai reçue. D'une artiste que j'aime beaucoup. Alors, il faut que je la trouve parce qu'elle m'a envoyé ça. Ouh là là, il faut que je la trouve. Donc, vous voyez que le cinéma, c'est quelque chose. Mais les acteurs qui font quoi? Les acteurs qui font leur cascade. Oui, il y a des acteurs. Oui, je dis qu'il y a des. Il y a des. Il y a des. Franchement, hein, Papsen, franchement. Il y a des acteurs qui font leur cascade eux-mêmes. Hein. Je vous ai parlé de Jean-Paul Belmondo, qui faisait ses. Maintenant, il est âgé, hein, il ne tourne plus. Mais qui faisait ses cascades lui-même. Il faisait ses cascades lui-même. Je vous ai parlé aussi de Tom Cruise, qui a toujours fait ses cascades lui-même. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui font leur cascade eux-mêmes. Il y a aucun souci. Voilà. Et donc, je vais vous passer cette artiste-là. Que j'aime beaucoup, qui chante, qui implore Dieu par rapport à la situation, par rapport aux morts et tout. Elle s'appelle Ozua Esther Yao. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Je vous la propose et j'espère que vous allez aimer. Voilà. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous entendez? Christiane Maé, bonsoir. Jocelyne Wilma Osnou, bonsoir. Ozua Esther Yao, elle s'appelle.
Massoma Koulibaly, merci beaucoup, bonsoir. Oui. Abdoulaye Demetola Fofana, vraiment, franchement, quoi. Merci. Merci, papa. Elle chante, c'est des lamentations, c'est des pleurs à Dieu. Pour. Merci, Massoma Koulibaly, pour calmer, pour que tout s'apaise. Il faut se ressaisir pour éviter le pire à notre pays, pour éviter le pire. Voilà. Il y a déjà trop de morts, trop de pertes en vie humaine, trop de jeunes vies arrêtées. Une seule mort, c'est déjà beaucoup. Donc, il faut sortir de l'impasse. Et tout le monde, on peut le faire. Et ceux qui croient continuent à prier, que les leaders politiques agissent et s'expriment pour apaiser la population, pour ne pas l'angoisser davantage, pour ne pas la stresser plus. Et dans cette quête de tranquillité, la culture est notre allié. Ne la négligeons pas. La culture peut jouer un rôle hyper important. Oui, Gina Sacré, je suis dans mon élément. Oui, je suis dans mon élément. En tout cas, merci beaucoup. Christiane Maé, merci. Ozoa Esther Yao, merci beaucoup. Bénédiction Léhiri, bonsoir. Ouais. Baye Flor, bonsoir. Merci beaucoup. Christiane Maé, tu danses bien. Je suis un peu triste quoi ce soir, mais bon, parce qu'il y a trop de morts, trop de mauvaises nouvelles. Mais nous devons continuer, oui. Dieu, vraiment au secours. Il faut que Dieu nous aide. Partagez la vidéo. Bonsoir. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que nous en sortions. Nous devons en sortir. Et je veux encore saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Et je veux encore dire toutes nos condoléances au président Gbagbo pour le départ, la mort, le décès de sa sœur, Koudou Henriette, épouse Gaye. Et je veux aussi saluer la mémoire du ministre Sidiki Diakité, qui est décédé aujourd'hui. Condoléances à sa famille. Ange, beaucoup, bonsoir. Voilà. C'est vraiment. C'est des pleurs. C'est des pleurs, hein. C'est vraiment des pleurs. Donc, je voulais dire que le cinéma, c'est ça. Nous devons. On continuera cette série sur le cinéma. On continuera avec la musique. On continuera avec les arts. Mais il faut absolument que. Quand vous sortez de ce direct. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça vous ait apporté quelque chose. Que vous ayez appris un petit truc et que vous le mettiez en pratique. Que vous regardiez désormais, par exemple, comme on parle de cinéma, que vous regardiez désormais un film avec, voilà, différemment. Que vous sachiez comment on fait un film, comment on le fabrique. Marie Natouchka, bonsoir. Toujours Nini Tato, bonsoir. Donc, que vous ayez les outils pour regarder un film. C'est pas juste des images qui passent comme ça. Vous devez savoir, les acteurs, mais le son, mais le scénario, mais qu'est-ce qu'ils ont, mais le plan, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Ousmane Keïta, merci. Voilà. Donc, Dje Irène Badenye, bonsoir. Donc, il faut vraiment, c'est ça, il faut qu'on arrive à ça. Dans notre pays, il n'y a pas d'école de cinéma, mais la population peut avoir quelques outils. Et c'est ça que j'espère vous apporter. Pas que vous deveniez des professionnels du cinéma, mais ou de la musique, ou de la peinture, ou de la littérature, mais au moins que vous ayez des outils quand vous regardez un film dorénavant. Vraiment faites l'expérience, regardez avec un autre œil. Et vous allez percevoir les artistes aussi, les acteurs avec un autre regard. Ce qui fait que vous allez consommer la culture avec un autre regard. Parce que vous savez le travail qu'il y a derrière, vous savez le talent qu'il faut, vous savez la somme de travail qu'il faut.
Donc, vous allez regarder différemment. Kipene Luboula, bonsoir, merci d'être là avec nous. Donc, vous allez vraiment regarder différemment. Et c'est ça mon objectif. C'est rien d'autre que ça. C'est vraiment rien d'autre que ça. C'est partager des expériences, des connaissances. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous dire bonsoir, bonne soirée, bon week-end. Nous allons nous retrouver, si Dieu le veut, vendredi prochain. Gisèle Brou, merci d'être là. Merci d'avoir été là. Bénédiction Léhiri, Baye Flore, Christiane Maillé, Nicole Tegallo. Voilà, tous ceux que je ne peux pas citer parce que, bon, vous êtes nombreux. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, si Dieu le veut, à vendredi prochain. Bye.